En défendant des familles en beau, cette fois-ci je me laisserai pas tromper. Et en tête dans cette race numéro 28, il y a encore Phil Claude de Vitrolles, Rico Brice de Mirambeau, et non Florence de Sarian, et Dominique Laurent de Sarian. La première place revient donc, comme je le disais, à Haute-France de Mirambeau. La deuxième place est à Phil Claude de Vitrolles. La troisième place sera pour Tamisier Laurent de Sarian et juste derrière Elon Florence de Sarian. La race 29 vient de passer devant moi. Sanker Herlé de Cornillon est à la première place. Il y a encore Bédu Michael de Vitrolles. Elle l'arrive bien de Tarascon, Sanchez, Adrien des Pennes Mirabeau et Bertrand Jean-Jacques de Cornillon qui devrait être à la quatrième place. Sanker Herlé de Cornillon est à la première place. La deuxième place est pour Bédu Michael de Vitrolles. La troisième place reviendra Sanchez Adrien des Pennes Mirabeau. Et enfin, Bertin Jean-Jacques de Cornillon prendra la quatrième place pour compléter cette race 28. Et ça, il y en a un qui en a profité. Haute Franck des Pennes Mirabeau a mis un petit suite. Rico. C'est Phil Claude de Vitrolles qui est à la deuxième place. À la troisième place, sur Tamisier Laurent de Sarian. Et juste derrière, une enfance de Sarian. La reine numéro 29 vient de s'élancer avec Sanker Herlé de Cornillon est à la première place. Bédu Michael de Vitrolles à la deuxième place, à la troisième place, ça doit être. Donc c'est pas Bertrand Jean-Jacques de Cornillon qui est à la quatrième, derrière les pierres de Tarascon juste derrière. Donc c'est Sanchez Adrien des Pennes Mirabeau, un pilote en licence en cours. Donc c'est pas mal pour ce qu'il est en train de faire. Bédu Michael de Vitrolles a pris la première place devant Sanker Herlé de Cornillon. Sanchez Adrien des Pennes Mirabeau est à la troisième place et Bertrand Jean-Jacques de Cornillon à la quatrième. Thank you.